Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. DJ Boyama, toi les gars, connectez-vous. Ils sont pas. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Bonsoir. Bonsoir à toi Jean-Raphaël. Bonsoir à toi Jean-Raphaël. Merci de participer. Donc le boutique. C'est chaud, ma mémé bawa. Donc vous-même vous savez que nous sommes là debout. 92% contre 82-242, on est sur la place. L'opposition est sur la place. Bonsoir toutes les diasporas à travers le monde. Bonsoir les Congolais. Connectez-vous. Comment on appelle JD, après le live, je suis en direct. Après le live. Vous êtes sur One Man Show. Donc, bonsoir à tous les Congolais, excusez-moi, je réponds aux messages. Les gars, nous sommes live, donc les messages seront uniquement basés sur les commentaires qui vont se passer durant le show. Donc, les gens, comme vous le savez, banamboka, Kotiba secteur. Donc, bino moko boyebi. Donc, les gars, ce soir, le sujet de ce soir, bienvenue à toi, Joe Curtis, David Bunkazi, merci de participer. It's going down. Connectez-vous. On se connecte. Charlem Koundé, bienvenue sur la place, merci de participer. Vous êtes sur One Man Show. Guy Roger. Chadi Moyo. Ah oui, it's going down, baby, let's go.
Mayenne, 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 bienvenue sur la place. Dimitri Empoya, merci les gens, merci les gars de participer. Vous êtes sur Mokonzi, Mokonzi. It's going down, les gars, it's going down. Alors, le sujet de ce soir, comme vous le savez, comme c'était annoncé. Connectez-vous. Ah oui. Donc, ça, c'est le sujet de ce soir. La vieille mentalité des indépendantistes du Congo-Brazzaville. On partage le show, les gars, partage. Donc nous allons faire un tour d'horizon avant de mettre le chronomètre. Let's go, let's go, let's go. Ben Kaboula. Ah là là. Les gens là, les gens là, les gens là. Ils sont perchés, ils sont perchés, ils sont perchés. Donc, bazo komi tuna me bano yo, ba 92%, ba koloba li sou sou nini. Mais biso to koloba po. Toza na biso ba Congolais. Ah ouais. Donc, ici, c'est la chaîne des Congolais, des 92% et prix de justice. On provoque pas les gens, on n'a pas de problème avec qui que ce soit ici. Maintenant, si tu as du PCT, tu viens dans le show, tu écoutes très 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 bien. Parce que c'est ici qu'on vous lave, c'est ici qu'on vous rend, que vous devenez des vrais Congolais et prix de justice comme nous. Donc on va bien vous laver pour que vous deveniez des gens de la République. Donc nous on n'aime pas les tribales. Et puis c'est la vie sonnaire. Et puis c'est la vie sonnaire. Et puis c'est la vie sonnaire. Donc nous allons commencer le show, les gars. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Donc on va mettre le chronomètre dans 5 minutes. Il n'y a pas assez de partage. Partagez les shows, partagez dans les inbox. On va faire un partage tour d'horizon avant de commencer le show. Vous êtes sur One Man Let's go, let's go. Vous êtes sur One Man Show. Nos Opanza, Kabeno, aïe aïe aïe. Connectez-vous. Donc Brazzaville, Pointe-Noire, Bania Pointe-Noire, Bania Pointe-Noire. Merci encore de vous intéresser du show, Bania Pointe-Noire. Boum boum. Ah, on est ensemble, Pointe-Noire, Pointe-Noire. Dolizy, on est ensemble. Brazzaville, on est ensemble. Hein? Le Congo, on est ensemble. It's going down, nouvelle génération, les gens. Connectez-vous. Nos Opanza, Neke. On partage le show, les gars, donc nous allons mettre le chronomètre à 5 minutes. Le chronomètre est set up à 5 minutes, donc dans 5 minutes, on commence le show. Entre-temps, on reçoit les cœurs, Mokonzi, 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 Mokonzi. Yo penza mindondo, bandi mindondo, mindondo. Là je lis les commentaires, là vous êtes ouf les gars, vous êtes ouf. Zoé, 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 Zoé la Congolaise. Bienvenue dans One Man Show, recevez les cœurs. Recevez les cœurs, recevez les cœurs. Vous êtes sur One Man Show. Ah oui. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Ah oui, c'est toujours nous hein. 92% des Congolais, nous sommes là, nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes à 4 minutes, à 4 minutes, on reçoit le show, on partage. Célestine Makaya, merci de participer. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show, nous sommes à 4 minutes, on se panzande, kabene kuyiri. Ah les gens là, les gens là, les gens là. Vous êtes sur One Man Show. Le show de ce soir, le show de ce soir, comme vous avez pu le voir dans le titre. Voilà, on partage le show. Connectez-vous. Donc ce soir. Ah là là. Donc nous autres là. Vous êtes sur One Man Show. Nous venons. Nous autres là. Connectez-vous. Nous venons avec une nouvelle vision. Pour le Congo Brazzaville, pour tous les Congolais. Par les quatre points cardinaux. Voilà. Nous sommes déjà au niveau de la prestation. Donc nous, on n'a pas le temps à perdre là. Hein? Voilà. Connectez-vous. Alain Mayala, Kodak 5, 92%. Erreur 2016. T'en fais pas, nous avons pu corriger les erreurs. Hein, les bugs qu'il y a eu là, dans le code 92 là. Nous avons corrigé les erreurs, mon cher. T'inquiète. Connectez-vous. Lobateyoka, Léo, Lobateyoka. Ah, le lagon bleu, le lagon bleu. One Man Show. Ah, le
Kopanza Bango, to Kopanza Bango. Nous sommes à 2 minutes, Kabolandeko, Kabolandeko, Kabola, Kabola, Ben Kaboula, ah, Bantiaï, Boubiaï. Ça dit qu'on va les montrer, hein, qui sont vraiment vieux, vieux, vieux. Hors de ça de nuire, Bango Moko, Bayer Arabe, Azan, Bango Vieux. Ils sont pas rapides, hein. On apprend seulement qu'ils sont venus là. Oh, Yambéli Martin qui est venu là. Il a qu'à venir, il peut venir, il peut venir là, il peut venir. Yambéli Martin arrivé, machin. Bon, il est venu rencontrer la diaspora. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout. Nous sommes déjà 92%. Nous, on connaît ce qu'on veut. Nous, on a une décision, c'est inébranlable. Donc, ils peuvent venir faire des va-et-vient là. On s'en fout. On connaît, on connaît. Donc nous sommes à 1 minute 47, on partage le show les gars, Toso Panda. Ah ouais, le Congo est sur la place. Le Congo uni. On partage le show. Toso Panda Ndeke. Connectez-vous. Ben Kaboula, Ben Kaboula, Banyamboka, Banyamboka, Banyamboka. Ah ouais. It's going down people, it's going down, it's going down. Let's go. It's going down, people, it's going down. Vous êtes sur One Man Show. On partage le show. Boka bola, boka bola, boka bola. Baninga, baninga. Biso koto, to linga gana. Biso makamba, ba triba wana te. Système tribaliste, wana to pandi ango, to niati ango nanko. Ah ouais. Vous êtes oh, bakonji, bakonji, bakonji. Toza kunate. Bakonji. Bato va vraiment mystique, quoi. Bakonji. Oh. Toza Kunate. Connectez-vous. Tolekis. Changement de fréquence. Ah oui. C'est le Congo en avant. Vous êtes sur Ah oui, Man toutes Show. Les têtes, toutes les têtes, toutes les têtes. Toutes les têtes. Toutes les tribus. Ouais. Maïe les Akuna. Tolimoto Panza Maïe les Wana. Hein? Mokilimo Mimabaye Kaba Congolais Maïe Baba Salabiloko. C'est pas les vieux là qui veulent nous embrouiller avec leur connerie là. Ils viennent faire des tours à Paris, tout ça. Ouais, on s'en fout. Oh. On n'est pas là-bas, Toza Kunate. On partage, nous sommes à 5 minutes. Non, quelques secondes. Ah ouais. It's going down, people, it's going down. 10 secondes, 10 secondes. Tozo Panda, 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 Tozo Panda. Connectez-vous. Ah là 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 là. Un peu de volume, les gens. Voilà. Comme vous le savez. Bonsoir à tout le monde. Ah, merci beaucoup, Mokonzi. Comme vous le savez, bonsoir à tout le monde. Vous avez vu hein, le titre, hein, la vieille mentalité des indépendantistes du Congo-Brazzaville. Donc, nous allons couvrir ce topic-là ce soir particulièrement. Toko Panza Bango, na ndengemo wa kusangana te popi soto baby sakaka ka, to baby sakaka. Mais to lobaraka, na vérité polele polele, tango zoyo kapi makambango, ezo pesa sens, ezo logique, popi soba 92%, toza batwa logique. Hein, mokile tamla ka ndenge wana. Donc, batwa illogique, to tia bango, pembe ni koutu bango moko, bazo longwa ra pamba pamba. Donc, idéologie na bango e komi, mobulu. Moi, on peut changer le lettrage, on le mettre sans noir. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Mais avant toute chose, hein, nous allons faire un tour sur la page. Hein. Vous connaissez notre page là, hein, notre page PSTZ News là, vous la connaissez notre page, notre fameuse page là où il y a les news du pays là, hein, là où on met tout, hein, en temps réel, notre page là. Page d'Abisso, l'équipe a page tout. Hein, et t'as l'Abisso. Voilà. Page d'Abisso, il y avait 92% et l'équipe a page tout. Et t'as l'Abisso. On s'en fout. Donc, c'est ici, là, qu'il y a eu... bon, on a publié ça. Hein, vous avez des informations. On a parlé des avocats, l'avocat général de Mokoko qui a déposé quelque chose, là, pour qu'on puisse libérer Mokoko, pour qu'il puisse assister aux obsèques de sa mère et tout ça. On est au courant de ça. Donc, c'est là. C'est là. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'aime pas les gens du PCTO. On publie tout le monde ici. Il ne faut pas venir nous déranger ici. Hein. Bon. Comme vous avez vu, hein, c'est écrit en gros caractère ici. La délégation du conseil de dialogue. Hein. Le dialogue, faut pas oublier. Le dialogue que nous avons baptisé dialogue de sourds. Hein. Parce que c'est vraiment un dialogue de sourds. Hein. C'est vraiment un dialogue de sourds. Donc, la délégation du conseil de dialogue et son président est déjà présent à Paris. Donc, hein, le frangin est pour lui déjà à Paris. Là. Donc, il est venu voir les corrompus et tout ce monde-là. Il est venu dire, bon, comment on va faire pour le dialogue et tout ça? Comment on va faire pour commettre encore la même erreur, hein, les faire commettre la même erreur en 2016? Hein. On connaît, on connaît. Donc, ils peuvent venir là, hein, ils peuvent venir autant qu'ils veulent.
Ils peuvent venir même à 1 million de personnes pour venir faire leur conclave à Paris, ici, là. Nous, on connaît. On connaît déjà. On s'en fout. Parce que la différence, eux, ceux qui ne comprennent pas, c'est que nous, là, nous avons une décision. Donc, la décision, là, on ne peut pas la corrompre. Donc, vous pouvez aller là-bas, là-bas, parce qu'il y a une... Ce qu'ils ne comprennent pas, nous autres, là, hein, c'est notre pays. Vous comprenez? C'est notre pays. Donc, vous pouvez venir à 1000 personnes, oh, délégation de je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Hein? Ils viennent avec les mêmes mentalités d'avant là, des primitifs là. Bon, on va faire une délégation. Donc, ils commencent à dépenser de l'argent. On va aller à la délégation là-bas. On va revenir là-bas. On va... Nous, on n'est pas là-bas. Tout ça qu'on a été. Tout ça qu'on a été. Ah oui. Oh. Il ne connaît pas l'informatique. Il ne peut pas essayer le code 92. C'est tout un code qui un code binaire qui régit beaucoup de choses dedans. Il faut être dans la matrice pour comprendre ce code-là. Il n'y a que nous. Donc, comme vous pouvez le constater, le titre là, je zoome ça. Hein, je zoome ça. C'est ce qui a été distribué tout à l'heure. La vieille mentalité des indépendantistes du Congo-Brazzaville. Bon. Ces gens-là, qui font semblant d'être des dirigeants congolais là, que vous connaissez tous, hein, cette vieille mère, quelle classe politique là. Ils se sont mis dans la tête que nous autres là, nous nous battons parce que nous voulons le pouvoir, parce que nous voulons le Bokonji, parce que voilà, nous sommes ceci, cela. Mais ils n'ont pas compris que nous ne venons pas seulement avec ce qu'ils ont pensé dire les Bokonji, je ne sais pas quoi. Nous venons avec une nouvelle vision. Nous venons avec un nouveau Congo pour tous les Congolais, par les quatre points cardinaux. Nous venons avec une nouvelle mentalité contre une vieille mentalité. Nous venons avec une nouvelle façon de faire, hein, contre une vieille façon de faire. Vous comprenez? C'est pour ça que nous nous battons. Hein? Nous venons contre des vieilles politiques, hein, partisanes qui n'ont rien à voir. Nous venons avec des vraies politiques qui a pour but, qui mettra l'union et l'humain au centre de toutes les prérogatives. Ça, c'est les vraies politiques que nous voulons là. C'est ça que nous voulons. Maintenant, eux, ils sont restés dans la politique des indépendantistes là, où on doit sujettir les peuples. Mais comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le comprendre, tout ce qui se fait, tout ce qui s'est fait depuis le temps, la nuit des temps au Congo-Brazzaville, ça se fait devant nous. Comme si on était dans un rêve. Je parle de l'industrie électronique, je parle des industries, je parle de la robotique, de la science, hein, de la nouvelle, des médecines, de l'informatique, de l'énergie. C'est ce que ces gens-là ont laissé passer en face de nous. Aujourd'hui, leurs enfants, vous et moi, et la plupart des gens du Congo là-bas, ils sont toujours derrière le dernier Samsung. Oh, on a juste Samsung aussi. Il est fier. Technologie, on a somme. Ils sont fiers. Mais ils ne se sont jamais posé la question de savoir. Mais pourquoi nous, on ne fait pas ça? Ça s'est fait devant nous, ce n'est pas magique là. On est surpris, on reste là, debout. Hein? Debout quoi? Cette vieille mentalité-là, qui a constitué seulement, non seulement ces indépendantistes-là, nous ont ramené, nous ont remis le pays en arrière. Juste pour vous montrer, hein, pendant que nous, les autres-là, parce qu'au Congo, là, vous savez qu'il y a eu un accident entre-temps, là. Entre-temps, hein, il y a eu un accident, là. On a eu à embarquer les voilà. Entre guillemets, on a eu embarqué, soit disant qu'on envoyait des hélicoptères là-bas, hein, des hélicoptères de je ne sais pas pourquoi. Or, au Congo, moi, ce que je sais, ce genre d'hélicoptères là-bas, il n'y a que ça. Au Congo, les hélicoptères, on ne commande que les Congo, les hélicoptères pour les armes. Hein, pour tuer les Congolais. C'est tout ce qu'il y a comme hélicoptère là-bas. Vous comprenez? Maintenant, pendant que nous là, pendant que ces vieux-là, hein,
Ceux-là que vous voyez qui sont venus à Paris, ils sont en train de faire semblant de voyager comme s'ils étaient derrière quelque chose. De bien, quoi. Ils faisaient quelque chose de bien. Les autres réfléchissent. Pendant que eux, nous sommes là, ils sont dans nos embrouilles avec leurs histoires de machin là, de conneries là. Les autres sont en train de réfléchir et nous, on est toujours là, on est toujours surpris. Voilà un peu. En documentaire, hein. Un petit documentaire déjà. Regardez où? Ce que les autres commencent, comment ils réfléchissent déjà? Hein? Pendant que vous vous battez, vous et moi, vous battez avec les vieilles mentalités des vieux là. Regardez ce qui se passe dans le monde, en face, devant nos yeux. Hein? Ça là, c'est, voilà, c'est l'avion, l'hélicoptère. Déjà même, les futurs hélicoptères là. Je ne sais même pas si on va arriver là-bas, nous là, déjà. C'est pour vous dire ce qu'ils ont fait ces gens là. Ils sont pas sérieux et ils ne réalisent pas leur connerie, quoi. Bell has developed a concept helicopter mock-up to showcase some of the ideas that they're working on for future aircraft. The company's future products may not look quite like this, but the technologies may appear sooner than you might think. This project is FCX-1. It is a part of our future vision for the rotorcraft industry. It's not a product reveal. But donc, we use it to inspire donc ça c'est déjà, ça c'est déjà, ça c'est déjà des produits qui vont arriver dans pas mal bientôt. Des hélicoptères qui sont là pour le transport en commun, tout ça. Dans cinq ans. Ça se passe devant nous. Ça c'est rien, c'est rien, ça c'est rien. Parce que peut-être là on va me dire que ah, hein, parce que comme eux là, ils ne comprennent pas, ils vont se dire ah le niveau est trop haut, nous on peut pas faire ça là, on est encore loin. Hein? Bon voilà. Même déjà le système de transport, hein. Dans ce documentaire, il est en français, vous allez voir, il explique bien comment ce système-là a évolué. Mais devant nous, hein. Devant nous, on va revenir sur les commentaires tout à l'heure. Regardez ce qui se passe devant nous. Le système de transport s'est développé devant nous, hein. Ça se passe devant nos yeux, c'est pas Isaac Ndokité. C'est devant nous que ça se passe, devant nos yeux. Et nos dirigeants au pays, là, ils sont en train de nous raconter des bêtises, mais vraiment, ces gens-là... Une logique que l'on aurait. On a domestiqué le cheval. Une des choses qui caractérise à la fois le progrès technologique et l'avancée de notre espèce à travers les siècles, c'est bien la façon dont on se déplace. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les vieux films, une des premières choses qui nous saute aux yeux, c'est bien la gueule des voitures. À travers l'histoire, on a constamment essayé d'améliorer nos moyens de transport. Car si notre seule solution c'était de marcher ou de courir, difficile d'imaginer le retard technologique que l'on aurait. On a domestiqué le cheval, utilisé des calèches, conçu des navires à voile, des trains à vapeur, le vélo, des voitures, des bateaux de toutes les tailles, des métros, on a même conquis les airs, ce qui est quand même remarquable. Faut pas oublier qu'en 1900, on ne savait pas comment faire voler un engin. 70 ans plus tard, on était sur la Lune. En une seule génération. C'est fou. Imaginez une personne qui naît en 1890, qui assiste au cours de sa vie à toute l'évolution de l'aéronautique. Du premier succès par les frères Wright jusqu'au premier vol transatlantique en 1919. Les dirigeables, avions de guerre, puis les premiers vols commerciaux, les premiers essais de fusée, et qui assiste à l'âge de 80 balais au premier pas de l'homme sur la Lune en 1969. Incroyable. Il est facile de regarder autour de soi, à son époque, et de se dire qu'on a atteint une sorte de summum des moyens de transport. Qu'on ne fera rien de plus rapide qu'un TGV, qu'on ne pourra jamais faire un Paris-Sydney en moins de 20 heures de vol. Mais c'est un peu être rabat-joie quand même. La seule limite en termes de moyens de transport, ce sont les lois de la physique. Le reste, ce n'est qu'un problème d'ingénierie et de ressources. Alors on va regarder ce qui est prévu dans les prochaines décennies et qui pourrait changer drastiquement la façon dont on se déplace. On a déjà vu dans une précédente vidéo ce qui nous attend au niveau de la circulation urbaine, au cœur de nos villes. Mais ici, on va élargir pour englober les trajets courts, longue distance et au-delà. Les voitures autonomes. Conduire va devenir un hobby, un passe-temps. Quelque chose que l'on fait le dimanche sur des routes spécialisées. Tout comme aujourd'hui, on ne va pas au boulot à cheval, mais on en fait pour le plaisir. Les voitures autonomes, c'est un concept qui est passé de la science-fiction à la réalité en à peine 10-15 ans. La plupart des constructeurs automobiles travaillent sur des prototypes et de nombreux véhicules disposent déjà d'un certain niveau d'autonomie. En fait, le concept d'autonomie des véhicules ne date pas d'hier. C'est une évolution progressive. Il existe 5 niveaux d'autonomie.
Le niveau 0, c'est aucune autonomie. C'est le conducteur à un contrôle total, quoi. C'est la 205. Niveau 1, c'est l'assistance au conducteur. L'automatisation est présente pour certaines fonctions du véhicule, mais ne font qu'assister le conducteur qui garde le contrôle global. Par exemple, le système anti-blocage des roues, l'ABS. Niveau 2, automatisation de fonctions combinées. Le contrôle d'au moins deux fonctions principales est automatisé pour remplacer le conducteur dans certaines situations. Le régulateur de vitesse, tout comme l'assistant au stationnement, entre dans cette catégorie. Niveau 3, conduite autonome limitée. Le conducteur peut céder le contrôle complet du véhicule au système automatisé. Cependant, la conduite autonome ne peut avoir lieu que dans certaines conditions, uniquement sur autoroute par exemple. Niveau 4, conduite autonome complète sous conditions. Le véhicule est conçu pour assurer seul l'ensemble de la conduite sur un trajet complet. Le conducteur fournit une destination, mais n'est pas tenu de se rendre disponible pour reprendre le contrôle. Il peut d'ailleurs quitter le poste de conduite et le véhicule est capable de circuler sans occupant à bord. Mais il existe quand même la possibilité de reprendre le volant en mode manuel si besoin. Niveau 5. Conduite complètement autonome, sans l'aide de conducteur, dans toutes les circonstances. Donc là, le véhicule n'est même plus équipé d'un volant ou de pédales. Il n'est absolument plus fait pour la conduite humaine. Aujourd'hui, on en est plus ou moins entre le niveau 3 et 4. La Google Car ou encore les Tesla ont prouvé leur fiabilité en autonomie de niveau 3. Tesla a déclaré qu'ils espéraient réaliser un test de niveau 4 d'ici la fin de l'année. Leur but est de partir de Californie, entrer une destination qui se trouve sur la côte est via le GPS, disons New York, et laisser la voiture conduire tout le long, sans aucune intervention humaine. Elon Musk, le patron de Tesla, pense que le niveau 5 sera atteint d'ici 2 ans. Mais que même si la technologie est prête, il faudra le temps de mettre en place toutes les lois, régulations, mettre à jour le code de la route, etc. Donc on peut se dire que les voitures autonomes vont débarquer en masse dans les années 2020. Ce sera bien sûr d'abord dans les pays développés et dans les grandes villes. On voit mal les voitures autonomes perdues au milieu du chaos routier qu'est l'Inde. Des choses comme ça là, il y en a partout, hein, en aéronautique, dans la médecine, dans tous les domaines, même dans le téléphone portable. Hein. Vous comprenez? Et tout ce qu'ils font là au pays, là, tous les contrats qu'ils vont signer là, c'est dans les databases. Et tout ça, on a l'impression que c'est magique, hein, mais ça se passe devant nous. Bon, qu'est-ce que ces vieux-là peuvent nous dire, hein? Dans quel monde ils veulent nous emmener, eux? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'eux, ils font là, ils font semblant d'écouter. Avec leur mentalité des indépendantistes, là, ils font semblant d'écouter et ils se disent que, bon, comme ce sera ce qu'ils veulent, là, on va essayer de faire ça avec eux, on va essayer de travailler avec la jeunesse. Pour la simple raison, ces vieux-là, ces gens-là, ces indépendantistes-là, n'ont pas la capacité de se dire, de se résoudre que, bon, voilà, ce n'est plus de mon niveau. Parce que même quand tu prends quelqu'un qui vient t'expliquer quelque chose, si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas accomplir ce qui se fait. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons plus la même vision avec ces vieux-là. Parlons peu, parlons vrai, parlons bien. Regardez, tout se fait devant nous. Et nous avons les yeux fermés. Mais qu'est-ce qu'eux, ils font, hein? Donc, pendant que le 21e siècle, les gens sont en train de travailler, on a tout raté, le siècle de la lumière, le siècle des évolutions, tout. Bon, vous voyez que le bruit qu'ils sont en train de faire là, à longueur de journée là, en train de nous emmerder là, oh, il est venu ici là, oh, il y a le dialogue de ceci, il y a le... Mais est-ce que nous, on est encore là-bas, nous? Est-ce qu'on a le temps pour ça? Nous, on vient avec une nouvelle vision pour le Congo et pour tous les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des mentalités où même les jeunes qui sont dans le PCT là, ces jeunes-là qui sont devenus certains d'entre eux des Atalakou, à vie, ils sont bloqués à une certaine mentalité où ils se disent que sans le PCT, ils ne peuvent rien faire. Sans le PCT, eux, ils sont foutus, ils ne peuvent rien faire. Donc pour eux, ils utilisent ce parti médiocre-là pour s'hisser au sommet dans l'idiotie. Nous n'avons plus le temps, hein, à tergiverser à gauche ou à droite. Hein? Nous nous sommes debout. C'est pour une nouvelle vision comment nous allons mener le pays. Parce que nous avons réalisé que dans le pays-là, toutes les tribus qui sont là sont des têtes, des têtes qui sont là pour le pays. Pour faire évoluer les choses dans le 22e siècle que nous allons commencer.
Donc il est hors de question que nous pouvons avoir des pertes en vie humaine n'importe comment. Même aujourd'hui, vous savez, vous vous rendez compte que aujourd'hui là, on a eu un drame dans notre pays. Pas aucune autorité qui s'est déplacée sur les lieux des drames. Pas un député, personne. Et on apprend que M. Sassou Nguesso a voyagé. Sachant qu'on a des drames au pays. On parle là de 38 morts, on parle là de l'autre côté, je ne sais pas de combien de morts. On s'en fout. Ça, c'est quelle vision, ça? C'est la vieille mentalité indépendantiste. Qui n'a plus rien à voir avec le siècle d'aujourd'hui. De ce que nous voulons, le Congo. Ça, leur dialogue, là, commission inclusive, voilà, c'est du pipi de chien, c'est un disque rayé. Mais vraiment rien. Tina Sekuna Namabele Kuna rayé. Nous ne pouvons pas avoir affaire à ces vieux-là. C'est fini, ça, c'est fini. Le pays doit avancer différemment. Parce que même si on leur demandait de venir travailler là, ils ne sont plus assez rapides. Hein? Des normes, ils sont plus quick. Voilà, ils ça ne capte pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire par là qu'aujourd'hui, tu vas prendre même un téléphone là. Tu vas prendre ça, tu vas donner ça chez M. Sassou ou chez un président. Il va commencer à tâtonner là. Tâtonner. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas en... Ils n'ont pas compris avant que le monde est en train d'évoluer. Et voilà ce qui se passe. Que le monde les a laissés en arrière-plan. Mais sauf que le Congo, comme j'ai toujours dit, le Congo était un arbre. Il a fait des branches par-ci, par-là. Donc nous autres là, des enfants de différentes tribus, parce que le Congo c'est un arbre fruitier qui a beaucoup d'arbres, qui a beaucoup de fruits. Hein. Dans l'arbre fruitier des Congolais là, il y a des mochis, il y a des vilis, il y a des tekés. Donc hein, on est sur le même arbre, on se mélange pour nous là-bas. Donc nous avons voyagé à l'étranger. Et nous avons appris. Et on a compris que ces vieux là, c'est des menteurs. Parce que, vous devez comprendre que, ils sont tellement tribal, avec des mentalités archaïques, qu'ils prennent l'argent du pays, ils vont le cacher. Mais l'argent, il faut le fructifier. Ils sont incapables de fructifier l'argent du pays. Et même encore, quand ils fructifient l'argent, si c'est pour eux là, ils sont obligés de se cacher. Mais des mentalités comme ça vont amener ça où? Hein? Il y a cette jalousie là, cette méchanceté là, au sein de ces vieux-là, aigu, une méchanceté qui ne dit pas son nom. Mais vraiment, aucune méchanceté là, autour de ces vieux-là, ça dit qu'ils se sont même arrangés à éduquer leurs propres enfants, à se faire croire que c'est des princes. Ils ont complètement oublié que nous, nous sommes nés là. Et ce n'est que légitime de revendiquer ce qui nous appartient. Que tu sois qui tu veux, que tu sois Vili, Tekemboshi, personne, même si vous décidez que bon, nous nous sommes les tenus du pouvoir de la Bakondjila. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de circuler. C'est chez eux. Moi, je ne comprends pas c'est quoi cette mentalité-là qui est vraiment assez, qui est vraiment ancrée jusqu'à dans l'âme qui contamine les Congolais. Je n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Ça dit que nous sommes là, même pas à l'aube. Regardez ce qui se vit. Voilà, le transport de demain là. Hein, regardez-moi ça. Transport de demain, regardez ce qui se fait. À 40 centimes par kilomètre. De quoi nous offrir le choix pour circuler en ville. Uber n'est pas le seul acteur dans la course regardez. Aux voitures. Même Uber, Uber, regardez Uber. Hein, Uber, Uber que vous... Arnaire, placé à intervalle... La compagnie Uber que vous prenez là, ils ont déjà, ils ont commencé déjà à... Il encourage plutôt l'aspect open source et collaboration. Ils ont commencé déjà le projet des voitures volantes. Des voitures qui vont se plier tout seul en ville. Donc vous allez voir, et ça là, c'est des projets qui sont sur 5 ans. Là, là, bientôt là. Quand vous voyez des trucs comme ça, mis sur YouTube là, par-ci, par-là, ça veut dire que c'est déjà prêt. Bon. Vous venez nous raconter vos bêtises là, hein? Hein, cette vieille mentalité indépendantiste là. On travaille, le gouvernement travaille. Vous savez, pendant que les gens sont en train de réfléchir là, eux, ils sont dans des dialogues qu'ils font depuis 4 ans, depuis 6 ans, dialogue de Sibiti, dialogue de machin, dialogue de... Donc c'est comme si c'était un plat quotidien, quoi. Juste pour rester là, pour dire que voilà, on veut rester chef. On va continuer à bisser. Ah, ma conjointe, tout le monde. Bon, vous les enfants, vous allez prendre nos places. N'importe quoi, mais vraiment.
Mais vraiment. Ils sont aigris. Là où ils sont là, ils sont aigris. C'est dire que, mais voilà, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais ni caca, c'est quoi? Mais pourquoi il dit ça? Mais c'est... Ah, ça dit que je n'arrive pas à comprendre. Nous avons affaire là à une vieille mentalité primitive, archaïque et indépendantiste. Donc, peu importe ce que nous pouvons faire là, ou arranger des arrangements, c'est pas possible. C'est ancré en eux. C'est dans leur code génétique, ces gens-là. Parce que quand vous voyez les pays des autres là, quand vous voyez comment on circule dans le monde là, là en plus ce qui est fou dans tout ça, vous allez prendre vos enfants à vous, vous allez les payer des études à l'étranger, ici là où nous sommes. Ensuite, voilà. Sachant qu'au pays, vous pouvez faire la même chose, les mêmes écoles pour que vos... Oh! Kindoki! Oh là là! Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, nous, les 92% là? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Les dialogues là, c'est quoi? Vous n'êtes pas au courant des dialogues là? Vous n'avez pas déjà vécu ça? Vous, c'est la première fois que vous voyez les tours là, ici, dans Paris, là, pour faire des concocter les trucs bêtes là. Nous, on connaît ça. Nous, notre atout, c'est notre décision. C'est tout. Vous pouvez vous balader comme vous voulez. Vous voulez venir corrompre notre décision. Nous, on a dit. Parce que nous, on n'est pas bêtes. Hein. Nous, on sait très bien que vous êtes tellement des tribales là, des fous, hein, des gens qui sont tribales là, jusque dans l'âme, c'est dans votre code génétique là. Que vous, pour vous, Bokondi là, on l'a quitté Bokondi là, c'est comme si on vous avait enlevé, je ne sais pas, votre cœur là. Hein. Nous, on sait ça. Et on ne va pas se leurrer. On sait que vous allez tout faire, hein, trouver des stratagèmes là, pour chercher à nous embêter tout le temps là, comme vous avez l'habitude de faire. On est déjà habitué à ça, on connaît. On connaît déjà que vous avez utilisé le tribalisme pour nous séparer. Tout ça, on connaît vos micmacs là. Maintenant, vos micmacs là, nous, comme on dit en français, hein, ou en lingalais. Ouais, télémi les colons et à montagne, azota la moto, azo mata. Donc, bisoto zona montagne, bisoto mon abino nengo azo mata. On vous voit là. Comment vous êtes en train de gesticuler à trouver les solutions par rapport à ce que vous avez déjà fait. Donc, hein, voilà. Aller-retour. Engrenage, vous êtes foutu. Pendant que vous voyez ces histoires-là, cette technologie-là, ça s'utilise même à 40 centimes par kilomètre. Avec les téléphones, cela pourrait être possible. Portable. Allez-y suivre ce documentaire-là. C'est les moyens de transport de demain. Flair, c'est sur YouTube. Là-dedans, on explique aussi. Avec ton téléphone, tu peux plier ta voiture. Mais déjà, aujourd'hui, vous avez vu, vous avez des drones, hein, les drones qui filment, que tu utilises avec ton téléphone. C'est des trucs éphémères, banals, qui ne sont toujours pas encore arrivés au Congo. Au Congo, Brazzaville. Nos enfants, nos frères et sœurs au Congo ont du mal à se connecter à Internet, quelque chose de basic. Donc, on est là en train d'abrutir nos peuples, les Congolais, les faire battre entre eux. Vous voulez nous parler des dialogues à la con? Déjà, les 40 mesures du FMI, là, vous n'avez pas pu. C'est-à-dire que du mensonge à longueur de journée, quoi. Que du mensonge. Et quand on leur dit que, voilà, vous mentez. Mais c'est qui celui-là? Yenani, Wana. Mais Yenani Wana, Yé Congolais. Hein? 92% Congolais, vous avez besoin de Wana. Yé Wana, moi, n'en boc. Donc, ils ont la bisoté. On va eux. Ils ont la bisoté. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un tuto tout à l'heure après le break là. Comment faire pour pouvoir, si vous voulez faire un don à PS TV, parce que je vois qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Je vais vous faire un tuto concernant ça. Comment la démarche à suivre, c'est tellement facile. Mais, n'oubliez pas. Nous allons avoir un invité surprise ici, là. Je vais vous faire les annonces bientôt. Ça va être chaud. Donc, on écoute Kekolos. C'est un jeune Congolais qui a fait un rap, là. Donc, c'est en même temps une réponse aussi à certaines personnes qui parlent aussi. Hein. Parce que nous, on n'aime pas les provocations ici, les 92%. Nous, on répond. Donc là, c'est Kekolos qui va vous répondre à vous, là. À vous, là. Nikamona Motote.
Ensuite, nous allons commencer à sur les commentaires. On va arriver sur les commentaires, on va un peu commenter tout ce que vous avez à dire, tout ce qu'on a à dire. On se donne la parole entre nous, quoi. On est quand même, on va un peu relaxer un peu ensemble ce soir. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent là. Je pense que tout le monde aussi aimerait dire quelque chose aussi. Hein. S'il faut qu'on s'appelle entre nous, on va s'appeler, quoi. Donc, on écoute Kekolos et on revient. Vous êtes sur One Man Show, yo, Kekolos, Tinabantu Bakula, Sound Squad Boy, ameta tani kata kwa mpana bushitu kwa mfuni nitifika na kupenda makutu. Tata ni kata kwa mpana bushitu kwa mfuni nitifika na kupenda makutu. Koba gane no biberon et préfère ma bite. Oh c'est j'aime si me piperon. Mon game so podium le vôtre dans vos perso. Dans le nuit cavalium c'est moi votre perso. Mes tata mon pompeur je parle à mon bavoir. Les prématures en couveuse là il va falloir la zuna. Natoko qui parle à sa tétété. Les enfants mal polis j'ai chicote en halou tégété. Après sang ou l'ouja toko en tout camelo. Nous en bouillé à boué. Ambe weno MC bébé vous sa ou squat votre pédiatrine. Tout boulou bois quand vous épargne on que dalle prix. Mal à bien beaucoup. Isen on a le vuvula, Kekolos, ababika mupupula. Ok, chingana mamba na basukula. Bala kwabe, antibiga na bawukula. Ame tata ni tata kwa mpana bushitu. Kwa mfuni nitipika na kupenda makutu. Tata ni tata kwa mpana bushitu. Kwa mfuni nitipika na kupenda makutu. Kuta, kuta. Fukamati makukarela petit star la buena kuwa mbati la fumbu la Samson Goliath mette mo sambe la bushikri la bimba la mba la biombe mo sare la abwe pakana me mama chimuna arretu la mpashimona mpulu mna mvula ya rime na matela matia batela mboba tila heba kela bagosila ya flani sana taribia peno bia bifungulu bia nifufumuna na lututa mchitutu lugu state lili wen pule hopu se Yusufa kumela za wababumbu la wakutufwa ngepe rap. Don't stand qua, hey. Oh, punchline qua. Min kushimi ya mwana wa men, rimu mye kwa sa. Just be, tuta chimu yin kwete sa. Ame tata ni tata kwa mpanda bushitu. Kwa mfuni nitifika na kupenda makutu. Kekolos, mavula, mavula. Ame tata ni tata kwa mpanda bushitu. Kwa mfuni nitifika na kupenda makutu. Kuta, kuta. Kekolos, we South Squad Vision, One Mad Music. What's up, your mission? Ha, DJ Vanem. Fumu Mavula. Kekolos, Matele Kekolos. In your house, baby. Oh, 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 oh. Zuna, Moja. Kuta, Kuta. Ah, les gens. Kuta, Kuta, Kuta. Ah là là, c'était Kekolos, Kekolos, Kekolos. Donc ça, c'était une petite réponse concernant un petit malentendu d'un jeune là. De temps en temps, on reprend comme ça. J'espère que là, vous l'aillez, mon koyoki. Donc, les gens, les amis, nous venons là apporter, comme je l'ai dit, une nouvelle vision. Hein? Nous venons apporter une nouvelle mentalité pour les Congolais. Par les quatre points cardinaux. Hein. Nous voulons apporter une nouvelle mentalité contre cette vieille mentalité des primitives, là. On n'en veut plus. Nous voulons apporter une nouvelle façon de faire contre cette vieille façon de faire, là, qu'ils ont eu à faire, leur connerie, là. Voilà. Donc, nous sommes l'avenir, nous sommes l'histoire, nous sommes le Congo. Les autres à la bisauté. Ah oui. Hein. Nous voulons des politiques qui sont là pour développer l'humain au Congo où l'humain sera respecté dans tout son ensemble, dans toutes les prérogatives. Pas les politiques, là, politiciennes là, qu'on voit là, où ils se baladent là n'importe où. Là. Et ça, c'est des choses qu'ils ne peuvent plus faire, qu'ils sont inconscients de faire, qu'ils sont incapables de faire. Il faut vous mettre ça une fois pour tout dans la tête. C'est comme ça. Et quand on se bat pour une cause noble qui est comme le nôtre, le Congo là, nous n'avons pas que le choix. Ah oui, les autres vont te dire, oh, vous êtes fatigués, machin, machin. Ceux qui sont fatigués là, hein,
Faut partir, faut quitter, faut quitter, faut quitter. Hein? Ceux qui ont décidé de faire des je ne sais pas quoi là, hein? Des ni froid, ni chaud, ni froid là, ceux qui sont tièdes là, les centristes là, faut quitter, faut quitter, faut quitter. On n'est pas là-bas. Donc, church life, church life, church life. On a eu des commentaires ce soir. Ce soir, ce soir. Mais avant toute chose, avant de passer aux commentaires, nous allons aller faire un petit tuto là, vite fait. Tuto, vite fait. Voilà. Donc, comme vous savez, nous avons lancé une campagne de dons. Donc, nous avons lancé une campagne de dons sur via PayPal. Donc ça, c'est PayPal. En général, pour avoir un compte PayPal, il faut avoir une adresse mail. Donc ça peut être mail ou pour ceux qui ne savent pas, hein, ça peut être inbox, Gmail, Hotmail, Hotlook. Mais avoir un compte PayPal, avoir un compte n'importe quelle adresse email. Une fois que vous avez le compte adresse email, vous venez sur Google, vous tapez ouvrir un compte. Un compte, ouvrir un compte PayPal. Un compte PayPal, voilà. Ouvrez un compte PayPal et ça vous amène là, vous voyez. Ouvrez un compte PayPal, s'inscrire gratuitement. Vous ouvrez ça et vous viendrez sur cette ligne-là, ici-là. Ouvrir un compte, machin, gratuitement et tout ça. Une fois que vous aurez ouvert ce compte-là sur PayPal, à ce moment-là, vous revenez sur PSTV. Avec ce compte-là, vous pouvez faire un montant, vous pouvez faire à partir de 1 euro, 2 euros, tout ça là. Vous faites, avec ça, vous pouvez faire des paiements, soit par chèque ou par quoi que ce soit, tout ce que vous voulez sur PayPal. Il suffit juste d'avoir un compte PayPal. Et maintenant, si vous ne pouvez pas accéder à ce compte-là, ici, là, à partir de... C'est parce que c'est sur PSTV, hein. C'est ici, dès que vous venez sur accueil, là, vous avez ça. Si vous ne pouvez pas accéder, donc n'oubliez pas que nous avons aussi un compte YouTube aussi, hein. Donc, nous avons aussi YouTube en ligne, là. Donc, quand vous êtes sur les vidéos de YouTube, venez sur ma chaîne sur YouTube, là. Vous avez directement le lien de PayPal, là. Vous cliquez sur ce lien-là, il vous ramène directement sur le compte PayPal pour faire des paiements. Vous comprenez? 1 euro, ainsi de suite. Donc, par conséquent, ce qui va se passer, c'est que pour accéder à ça, il faut avoir impérativement une adresse mail. Je ferai d'autres tutos pour ceux qui n'ont pas très bien suivi, au cas contraire, repartagez la vidéo. Donc, church life, church life, church life, church life, church life. Qu'est-ce que nous avons là? Gervais, nous sommes focus dans la presse Sassou. Ah oui, c'est important, parce que la presse Sassou va... Ah tiens, j'ai encore le nom de M. Polemaka. Il est ici, là. Ah ouais. Je vais enlever ça. Ça, c'est le dernier invité qui était là. Nous sommes focalisés sur la presse Sassou. Ah oui. On est obligé, parce qu'il va partir. Quel que soit, il ne peut que partir. Il ne peut que partir. Donc, nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas là-bas. J'arrive pas à trouver son nom, là. Où je l'ai mis, là. Sur quel... Sur quoi je l'ai mis. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous sommes focalisés sur la presse. Donc, Tozakunate, les autres à la bisauté. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre, là? Gervais Birangi. La créativité est quelque chose que cette génération des vieux indépendants artistes ne comprennent pas et ne promotent pas. Ils ne peuvent pas promoter cela parce que eux-mêmes là où ils sont là, voilà, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont inhibés par autre chose. Hein. C'est des gens, voilà, qui, on ne comprend pas ce qu'ils cherchent. Hein. On ne comprend pas. Mais vraiment, moi personnellement, je ne comprends pas ce qu'ils cherchent. Des vieux comme ça, là, ça dit que c'est des têtus. Vous savez, quand tu es vieux, là, hein,
ta capacité de penser, ta faculté de penser n'est plus la même. Tu n'es plus rapide, tu es léger là, tu n'es pas quick. Et ça, ils sont tellement têtus qu'ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas. C'est impossible pour eux de comprendre ça. C'est impossible. Leur nom de code est Yaka Noki Noki. Mais le Yaka Noki Noki a été décrypté depuis longtemps. N'importe quoi ces gens-là, vraiment quoi. Dialogue de Dolizy, Wesso, Diata, Sibiti. Nous sommes fatigués qu'ils viennent à Paris, c'est pas notre problème. Qu'ils libèrent les prisonniers politiques, c'est un préalable. Mairie n'a pas encore compris. Oh, mais Mairie ne peut pas comprendre. Hein? Mairie ne peut pas comprendre. Lui, c'est dans son ADN. Voilà quelqu'un là qui est assis à côté d'un président, Lissouba, qui est président, mais il va quand même le trahir. Donc lui, il a voulu être toute sa vie esclave. Il a fait son choix d'esclavagiste. Mais c'est des vieux mentalités primitives. Là. Eux, là, ils font partie des années des indépendantistes. Là. C'est eux les indépendantistes du Congo. Ils n'ont aucune compréhension pour le peuple congolais. Ils ne peuvent pas la voir. C'est-à-dire qu'eux, l'apparat, là, ils aiment les apparats. Ils aiment les noms. Hein. Les Son Excellence Intel. C'est-à-dire eux, ça leur fait plaisir quand on les appelle Excellence. C'est-à-dire que les gens sont à leurs pieds. Ils sont aux anges. C'est-à-dire qu'eux, là, oh là là. Mais on va vous enlever le privilège, là. Parce que c'est nous, hein, les Congolais, qui donnent ça. Hein, c'est nous qui donnons. C'est nous qui donnons. C'est pas vous. On va vous enlever le privilège de voilà. C'est nous qui donnons. Ils pensent que c'est eux qui. Voilà. Oh, oh là là. Tom Melvin. Ils ne savent pas créer des richesses. Ils savent seulement dépenser. Voilà. Quand on leur dit ça, là, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas créer des richesses, mais rien. Donc, l'argent qu'ils amassent, là, ils vont mettre dans les... Oh là là. Ils ont appris ça à leurs enfants. Donc, tant que vous avez un média, vous avez un Kim. Vous avez un Vari. Oh, il est impoli. Oh, oh. Ils utilisent des termes en français qu'ils ne comprennent pas. Quoi. Mais vraiment, indépendantiste va. Jean-Raphaël, le terme de la valeur ajoutée est une énigme pour eux. Oh, quelle énigme? Et c'est ça même, c'est quoi les énigmes? C'est le désastre d'une nation. Oh là là, ils se sont désastrés eux-mêmes, pas nous. Nous, on ne peut pas nous désastrer. Voilà pourquoi on est debout. Ils vont se désastrer eux-mêmes. S'ils ne comprennent pas, ils seront désastrés eux-mêmes. Nous sommes unis. Nous sommes unifiés. Voilà. Les Andengewana. Des gens comme ça qui n'ont rien compris, des gens. Donc ils veulent mélanger tout le monde dans leurs bêtises, quoi. Bisotoza, Baboshi. Bisotoza, Bakongo. Bangokuna Bakongo, Baza Biente. Bisomoyena, oui. Mélanger des gens dans leurs bêtises, là, quoi. Mais vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh là là. Des primitifs, quoi. Les gens sont en train d'évoluer, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de penser. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Tout ça en train de voler. Et il y a des choses qu'ils ont pensées là qui vont être là dans 5 ans. Nous, on sera là. Oh, mon ami, c'est Samsung, on a aussi quoi. Parce que les comme robot, ils sont contents de montrer ça. Ils se posent même pas la question de savoir, mais comment ils font ça? Tout le temps là, en train de voyager, à prendre des selfies par-ci, par-là, montrer aux gens que voilà, il allait voyager avec les Blancs. Hein, il est en visite avec les Blancs, donc ça veut dire, hein, il nous montre à nous que moi, là où il va là, c'est des gens qui ont des cerveaux plus que nous. Hein, donc lui, il va rencontrer des gens qui ont des gros cerveaux, hein, des cerveaux là, hein, magnifiques là. Donc ces gens-là, avec leur cerveau là, ils vont ramener ça chez nous, quoi. Donc c'est bon, donc lui, le président, il connaît les gens qui ont des cerveaux là. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, mais vraiment. Vous faites honte, hein, vous faites honte. Vous faites honte. On va écouter un truc pour les enfants. Là. On va inciter un peu la jeunesse congolaise à aller à l'école. Parce que vous, les gens là, hein, les jeunes là, faut aller à l'école, hein, les gars. Faut aller à l'école. Faut aller à l'école. On a besoin de scientifiques. Hein? Ce que vous voyez là, votre téléphone portable, là, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Je trouve pas la chanson.
On va écouter autre chose. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Pas de politique pour les jeunes, pas de rien, rien. Toujours dans les parlottes, là. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis? Nouvelle mindset. Mindset. Ah oui, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'indigner un peu, quelqu'un qui veut parler, qui veut prendre le mic, qui veut prendre le téléphone, qui veut, voilà, qui veut s'exprimer un peu là? On va juste l'appeler au téléphone, on ne va pas voir sa voix, on ne va pas voir son visage. Qui veut s'exprimer là? On doit aussi donner la parole aux auditeurs. Qui veut s'exprimer? J'attends. Celui qui veut s'exprimer, vous me dites là. Oui. Et vous vous exprimez. On donne la parole et aux éditeurs. Comment voulez-vous indigner? Parce que des fois, il y a d'autres qui ne vont pas dans les rues, là. Il y a d'autres qui ne veulent pas, voilà. Donc, vous pouvez vous indigner ici, là, et sans problème. Vous pouvez vous indigner. Dites ce que vous pensez. Voilà, pourquoi pas dire crachez votre vénin. Indignez-vous, indignez-vous, sortez votre rage, là. Parlez, parlez, parlez. Qui veut parler ici? Tozo zela. Donc on revient après la pub. Go. Nothing can stop me. I'm all the way up. PS TV pour toutes vos publicités. PS TV, ensemble, auprès de vous. Bienvenue sur PS TV, vous êtes sur One Man Show. Nous sommes live le vendredi et le dimanche à partir de 21h30, heure de Paris. Alors connectez-vous. Nous sommes live le vendredi et le dimanche à partir de 21h30, heure de Paris. Alors connectez-vous. Veuillez nous contacter. PS TV, nous sommes auprès de vous. Commandez votre t-shirt maintenant sous différentes formes et différentes couleurs. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt sous différentes couleurs et différentes formes maintenant. Ainsi que des tasses et des coques de téléphone. Commandez maintenant.
commander votre t-shirt différentes couleurs et différentes formes maintenant. Commandez maintenant. Commandez votre t-shirt maintenant, différentes formes et différentes couleurs. Le est totalement dépassé par l'informatique. Il a trouvé un raccourci de couper internet. Alain Mayal. Alors, les gens. Merci d'avoir suivi One Man Show. Comme vous le savez, on reste debout. On reste debout. Donc tout ce que vous voyez là, les micmacs autour là, ils sont venus là-bas, on s'en fout. Dosakunate. Vous êtes sur One. Alors merci à tous d'avoir participé. Merci Zoé, merci Sander, merci à tout le monde, Koundé, Tom Melvin, House, Bernard Pungi, Gervais, all over the place, tout le monde qui a participé sur One Man Show, tous les Congolais par les 4 points du cardinal. N'oubliez pas. Connectez-vous. Nous devons amener ce combat à bien, lentement et sûrement. On reste debout. Vous êtes sur One Man Show. On reste debout les gars, on reste debout. Connectez-vous. On reste debout. David Boukazi, merci d'avoir participé. Vous êtes sur Donc on reste debout, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. Hein. On vous laisse avec des cœurs. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Alors, merci encore, hein, merci.